À l'ouest, ils étaient appelés ZRP, pour zone de regroupement prioritaire par les services administratifs francophones. À l'est, ils étaient appelés BZ, pour Besatzung Zone, ou enfin, ou quelque chose comme ça, par les services germanophones. Au sud, ils étaient appelés ZP, pour zone de protection, par certains gouverneurs bénéficiant du statut d'exterritorialité, comme celui de Burumbura rural, désignant ainsi les camps de Nyambuye, Kabezi, Kibuye, Kyanongkongé, Maramia, Mubone et Mukonko. Le camp où j'ai atterri était situé au nord. Certains l'appelaient le camp du mur de la honte. D'autres, le camp de l'opération Rempart. Il était appelé Wargame Zone, WZ, par les organismes pratiquant le sibériquin. Entendez les grands distributeurs, les éditeurs de jeux vidéo, les fabricants de couches-culottes, les sociétés d'ingénierie double face. Officiellement, c'était un espace d'enfermement modèle, gardé le jour par une compagnie de casques bleus, la nuit par une compagnie de casques verts, jaunes ou blancs, peu importe. Une armée en tenue camouflage, secondée par des milices privées, elles-mêmes aidées par des milices semi-publiques, elles-mêmes renforcées par des milices privées, elles-mêmes aidées par des milices semi-privées, subventionnées via des filiales de groupes militaro-industriels, Dean Corp, Titan Corp, Joy Corp, des entreprises de restauration rapide, des fabricants de vêtements de sport, des éditeurs de jeux vidéo. Qui avait en charge la sécurité des bâtiments, l'approvisionnement des hommes et des machines, le nettoyage des rues. Tous, ils avaient un nom. On les appelait les fossoyeurs.
avait la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Et devant moi, derrière moi, des baraques, des tentes, des igloos, en tôle, en plastique, en bois, jaune, noir, grise, orange. Parfois sur l'encre, à perte de vue. Tous ils avaient un air à perte de vue. À perte de vue. Les fossoyeuses. Hideuses perspectives. À perte de vue. Comme un cauchemar à double feu. À l'intérieur d'un cauchemar. Comme un cauchemar à double feu. Les ombres vertes. À perte de vue. Les ombres rouges. À l'intérieur d'un cauchemar. À de nettoyage des rues. On les appelait les fossoyeurs. Tous.